Une vidéo par jour, épisode 3. J'arrive à m'y tenir. J'arrive. C'est mon troisième épisode. J'avoue, c'est un peu compliqué, mais quand je me détache en fait de l'exercice et je fais que profiter, franchement, ça va, ça le fait. Donc, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien de ton côté, que tu as passé un agréable moment, une agréable soirée. Là, aujourd'hui, on est sur de l'élagage. Je connais pas trop les termes, hein, donc tu m'excuseras. Mais je crois qu'on est sur de l'élagage. J'ai testé les haies. Donc, j'ai testé. J'ai mon petit coupe haies là, que tu vois. Regarde. Juste là. Ok. Donc, pour l'instant, ça va. On va essayer de faire ça un peu plus propre. Je suis pas paysagiste, hein. C'est pas trop mon domaine. Chacun son domaine, comme je dis. Hein. Respecter le travail des gens, ça c'est important ça. Quand quelqu'un vous vient et vous donne un prix par rapport à ce qu'il fait, faut respecter. Faut respecter le travail. Respecter le travail des artisans, respecter le travail plombier, menuisier, serrurier. Bon, il y en a qui cheatent, il y en a aussi qui abusent. Mais les gens que vous voyez qui sont honnêtes, il faut respecter leur travail. Parce que, gars, ça là, faire l'élagage, j'ai fait qu'une petite partie et je suis mort. J'ai rempli la Audi. Je pense que ça va me prendre tout l'été. Hein. Donc c'est parti pour tout l'été. Là, on va aller chercher le sécateur. On va faire le haut. On va emmener ça à la déchetterie. Et puis après, on va... Après, je vais faire quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Mais là, c'est le week-end. On va se poser. On profite juste du soleil qui fasse un petit peu beau pour faire tout ça. Parce qu'il y a énormément de choses à faire dans la maison, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais je profite qu'il fasse beau pour faire l'extérieur. Et quand il fera moins beau, je pourrai faire l'intérieur. Mais je profite pas seulement du temps par rapport au fait qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Et ça me permet de bosser. Mais il y a un autre avantage aussi du fait qu'il fasse beau. C'est par rapport au TDAH. Il faut savoir que le soleil, pour toi, si tu es dans cette configuration-là de TDAH ou TSA, machin, compagnie, j'ai remarqué que plus je suis exposé au soleil, plus j'arrive à avoir de la dopamine naturellement. Okay? Donc, c'est vrai que depuis que je suis arrivé en France, c'est devenu compliqué pour moi depuis que je suis arrivé en France. Avant, aux Antilles, quand j'étais aux Antilles, aux Caraïbes, ou quand j'étais en Martinique, Sainte-Lucie, j'avais pas autant de problèmes par rapport à mon TDAH. C'est vraiment quand je suis arrivé en France que ça s'est aggravé. Ouais, parce que le manque de soleil et tout. Et chaque fois que je vais à un endroit où il y a du soleil, je me sens bien, je suis motivé, mes fonctions... En fait, c'est pas que ça annule, hein, mais c'est moins difficile, c'est moins dur. La dopamine, vu qu'elle est beaucoup plus... Elle est sécrétée de manière plus naturelle par rapport au soleil. Tu connais, hein, les vitamines que le soleil peut apporter de manière naturelle. Donc plus il fait chaud, en fait plus il fait chaud, mieux je me sens. Mieux je peux faire des choses, mieux j'arrive à bouger et à partir sur la fonction commande. Qui veut dire que quand je vais faire un truc, la fonction commande est activée parce qu'il y a de la dopamine. Par contre, le plus difficile, c'est avec la sérotonine, c'est d'avoir ensuite la récompense. Par exemple, là, tu vois, je me suis lancé à faire les haies. Et moi, dans ma tête, c'est que si toutes les haies ne sont pas faites, c'est pas bon. Donc je ne serai pas récompensé. Mais avec le temps... Avec le temps, j'ai appris à... Non, t'inquiète, ma voiture n'est pas automatique, c'est juste avec la force. Bref, avec la gravité, ça s'est fermé. Avec le temps, j'ai appris. Ok, voilà, comme je l'ai dit, j'ai vécu 30 ans avec mon TDAH sans le savoir. Donc maintenant, je suis rodé, je sais mieux anticiper les choses. C'est comment gérer mon taux de dopamine, comment bien l'utiliser quand il fait chaud. Donc là, techniquement, ce matin, depuis 11 heures, je suis en train de faire des choses. Je suis un peu partout. Là, il est quoi? Il doit être peut-être 17 heures et quelques. Je vais essayer de terminer rapidement. On part sur la fin, on termine juste cette partie-là et j'arrive maintenant à canaliser mon besoin de réussite, qui veut dire que je me suis fixé une limite. Et ça, c'est la clé, se fixer une limite. Je me suis dit, je ne fais que cette partie-là, ok? Je m'occupe que de cette partie-là aujourd'hui pour les haies. Et ça, ça m'aide parce que ça me permet de structurer, de canaliser et de contrôler. Et du coup, je serai récompensé parce que je sais que je peux le terminer. J'ai pas dit que je vais couper tout le jardin. Je dis que je vais couper juste ce buisson-là, cette partie-là. J'ai essayé de couper ça à la machette. C'est impossible. Les troncs sont devenus trop gros. Donc là, je suis obligé d'aller chercher une tronçonneuse. Mais le problème, c'est que la plus petite tronçonneuse, c'est 200 balles. Pour l'instant, j'ai pas 200 balles à mettre dans une tronçonneuse. J'avoue, j'aurais préféré acheter mon arceau pour ma Sika Pro pour mettre mon rondin dessus. Mais bon, il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités. Donc là, tout ce qui est matériel, photo et vidéo, ça va être mis de côté. Donc il me faut une tronçonneuse pour tailler les haies.
En tout cas, pour couper les gros troncs là, parce que sinon la machette, ça va me prendre trop de temps. Je suis obligé de partir sur une tronçonneuse. Quand est-ce que je pourrais l'acheter? Je sais pas. Bon, la Flo Famille, ça va? Attends. Viens plus près, là. Regarde-moi bien dans les yeux. Je vais te présenter un objet que tu dois impérativement avoir dans ton sac. Ok? Alors, je sais pas ce que tu as prévu de faire pour les vacances, pour l'été qui va venir. Tu pars faire tes photos, tes vidéos, voilà. T'es content, t'es heureux. T'as des beaux endroits, dans des beaux cadres. Le soleil, Copacabana. Tu vas siroter des beaux verres, des trucs comme ça et tout et compagnie. Et t'as oublié de prendre l'un des objets les plus importants, que ce soit pour la photo ou la vidéo. C'est pas une bonne chose. Non, honte sur toi. Shame on you. Bon, je vais te dire, t'inquiète. Je vais te dire quel objet que tu dois impérativement prendre avec toi et qui doit toujours être dans ton sac. Bon, allez, j'arrête. J'arrête de t'embêter. Alors, pour certains, c'est pas un truc nouveau. Vous savez, quand je vais vous présenter l'objet, vous allez dire « Ah, mais je sais... » Mais bon, je pars du principe que parmi vous, il y en a qui ne sont pas forcément là depuis longtemps sur la chaîne, ou carrément, il y en a peut-être parmi vous qui se lancent dans la photo il n'y a pas longtemps. Ok, donc, vous avez peut-être dû voir cet objet passer, mais on ne vous a pas vraiment donné le petit truc qui vous permet de dire « il m'en faut absolument un ». Parce que oui, effectivement, c'est vrai que selon ton budget, ça peut aller du pas très cher à vraiment des prix exorbitants. On va arrêter le suspense. Je te présente directement cet objet-là. Et il s'agit du filtre ND. Oui, je sais, tu vois rien là, mais c'est juste ma pochette. C'est-à-dire que moi, j'en ai énormément. J'en ai de toute taille. Ok, qu'est-ce qu'un filtre ND? Attends, je vais te montrer. Surtout un filtre ND variable, pas n'importe lequel. Qu'est-ce que filtre ND? Tu vois, quand tu es dehors, qu'il y a beaucoup de soleil et tu commences à faire ça, c'est chiant, hein? Quand le soleil tape et t'es comme ça là et tout et tu vois rien. Le mieux à faire, ce serait pas tout simplement de mettre un verre polarisant. En gros, tes lunettes, c'est pas mieux là? Bon, imagine que du coup, c'est pareil avec ton boîtier, c'est pareil. Ou avec ton objectif. Quand il y a trop de lumière qui arrive, tu auras tendance à vouloir baisser tes ISO, augmenter tes vitesses, fermer ton diaphragme. Tu perds le d'arrière-plan et ensuite, si tu fais de la vidéo, ça risque de pas être fluide, ça risque de saccader. Bon, généralement, on augmente la vitesse plutôt pour de l'action, pour accentuer les mouvements. T'as pas trop envie de ça pour tes vidéos de vacances ou bien pour tes photos. En photo, c'est pas trop gênant, mais en vidéo, ça peut être gênant. C'est la raison pour laquelle le filtre ND variable est très utile. Variable, je te dirai pourquoi. Une fois que tu auras mis ça sur ton objectif, ça te fait la même chose qu'une paire de lunettes sur tes yeux. Donc en gros, ça va venir atténuer la puissance et la diffusion de la lumière dans ton capteur. Et la raison pour laquelle on dit variable, c'est juste que tu as plusieurs intensités que tu peux faire à partir d'un seul filtre, tu vois. Par exemple, là, tu vois, regarde ce qui va se passer. Et tu me vois un peu mieux. T'as vu ce que ça fait? Hop. Hop. Et là, je l'intensifie à max. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont en plein soleil, mais qui tapent fort, fort, fort. Voilà, c'est ça. Ça sert à ça, un filtre ND. Et le fait qu'il soit, ben, comme je t'ai dit, hop, variable, c'est que tu peux passer dans plusieurs stops et plusieurs intensités d'entrée de lumière, voilà. Mais j'ai un petit truc pour toi. Alors, je sais que, imagine que tu as plusieurs objectifs, il faut acheter un filtre par objectif, ça peut être chiant. J'ai une astuce, j'aurais dû faire ça depuis plus longtemps, je sais pas pourquoi je l'ai pas su. Moi, tu sais ce que j'ai acheté? J'ai acheté, bon, ça va pas dans cette pochette-là, c'est juste que j'ai équipé cette pochette-là pour... J'ai acheté des... Tadam! Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ce sont des convertisseurs de différents formats qui fait que j'achète un seul et unique gros filtre ND, sa mère la poulpe, super cher mais super quali, ok? Je l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter et je pourrai le mettre sur tous mes objectifs grâce à ça. Donc, je te mettrai le nom précis dans la description, hein. Je vais peut-être l'écrire quelque part, comme ça ce sera plus simple. Mais tu vois, une fois que tu as pris ça, tu peux à ce moment-là associer ton filtre ND sur tous tes objectifs sans forcément avoir besoin d'acheter un filtre ND par objectif. Donc tu vois, c'est ça, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'avec juste celui-là, je peux mettre sur tout mon parc d'objectifs parce que j'ai les convertisseurs qui vont avec. Voilà, t'achètes par exemple 2-3 jeux de convertisseurs, franchement, ça fait le taf. Parce que des fois, dans certains convertisseurs, par exemple, je sais que sur celui que j'ai pris, il n'y a pas
pour le 50 mm de chez Sony en plein format. Donc je vais acheter un autre type de jeu, un peu plus petit, pour justement passer de mon objectif, du bout de l'objectif, vers le filtre ND. Je ne sais pas si je vous revois pour vous dire une fin de vidéo. Je ne sais pas si je vous revois entre temps. Si je ne vous revois pas entre temps pour cette vidéo-là, merci beaucoup. C'est un challenge qui me tient à cœur de faire une vidéo par jour, de m'y tenir, de trouver de quoi alimenter les vidéos, de l'inspiration, machin et tout ça, pour que ça ne puisse pas trop être ennuyant. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On se voit demain. Et sur ce, portez-vous bien.